Allez, il me faut un coussin, il me faut un coussin pour me poser sur le canapé. Allez, voilà, le coussin. Et bienvenue, et bonjour tout le monde. Ah, voilà, comme ça, je suis à moitié affalé sur mon canapé. Et bienvenue à tous sur ce live. Allez, on va continuer maintenant notre chasseur. Donc là, ce qu'on va faire, on va partir tuer le dragon. Parce que j'ai décidé de jouer avec les dragons. On va partir tuer les dragons, tellement je suis beau gosse. Et on va aller après direction vers la maison. Voilà. Parce qu'en fait, la tour qui se fait attaquer, comme vous devez le savoir, c'est celle là-bas. Et moi, ma maison, elle est là-bas. Attendez, déjà, on va mettre un repère sur ma maison. Regardez, elle est là, la maison. Ah, mais j'ai un repère. Alors, attendez, on va faire ça. Supprimer. Regardez, hop, la maison, elle est là-bas. Direction ouest. Et là, il y a eux qui vont pour aller ici, à la tour. Et ils vont faire tout le tour. On va y aller. Et c'est là où ça va commencer à faire mal. Alors pourquoi je retourne à la maison? Parce que j'ai 1200 et on va les fabriquer une première forge et peut-être un premier truc pour avoir une récupération. Et avoir une récupération, comment dire ça, mais de l'argent, voilà, de l'investissement, voilà, une récupération d'investissement après sur tout ça. Bon, vous autres, vous êtes où là? Vous mettez du temps à courir là, oh là là. Faites pas comme moi, vous prenez pas des raccourcis, c'est naze. Ah, te voilà. Où est le dragon? Barbe bleue. T'es en plein milieu, femme. Tu n'es pas transparente. Tu n'es pas transparente. Elle va faire ton live là. Et c'est parti. Faites attention, nous devons découvrir ce qui s'est passé ici. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Il a attrapé Thor. Oh là, c'est dommage. Le dragon arrive là-bas de la montagne. Et en fait, c'est le dragon qui vient du des terres tourmentées. Thank you.
je sais que je suis pigeon, mais quand même. Nous avons tué un dragon, les gars. Nous avons tué un dragon. J'ai pas envie d'aller inspecter. Non, en fait, ouais, j'ai tué. Vous êtes content, voilà. On se casse. Est-ce qu'ils vont m'appeler si je me barre ailleurs? Je sais pas. Que se passe-t-il? Ah, ouh. Ah, il a bouffé un garde en entier pratiquement. Il a pas digéré. Il a digéré les gants. Ouais. Vous êtes un enfant de dragon. Je suis un quoi? Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons en bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Eh bien, vous pouvez crier maintenant. Vous ne le pouviez pas auparavant, si? Cela j'ai toujours crié. Vous devez crier être très fort. Un enfant de dragon. Un enfant de dragon. De quoi parlez-vous? Le tra... Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragon. Ceux. On est avec du sang de dragon. Informé de Yarl Balruf. Ouais, mais nous on retourne à la ferme. Et on va se TP. Ah, ce qui est très compoussé, oui. Petite femme. Bonjour, mon amour. Je parie que vous avez vu. Merci. Tenez, c'est pour vous. C'est tout. Nous avons fait un joli profit. Tenez, voici pour vous. Ah. Bien sûr. Quelle chambre voulez-vous que je meuble? Oh, bienvenue Dominique, et merci pour le follow.
Chambre principale, là. Au revoir, mon amour. Attends, tu sais quoi, on va meubler notre lit déjà. Que voulez-vous ? Vous devez d'abord construire un enclos. Oui, je dois construire un enclos. Il m'aurait fallu une forge d'abord. Des babioles, des petites choses. Là, là, là. Parce qu'il me faut... Je sais même pas ce qu'il me faut tout ça, bon. Du coup, je vais te vendre. D'où j'en ai récupéré 31. J'en avais plus que 4. On va garder ça pour l'instant. Là, j'ai rien. Potion que j'ai déjà utilisée. À part si je te vends les gemmes ou les autres dragons. Ça, je voulais garder bon. Bien sûr. Quelle chambre voulez-vous que je meuble ? Notre chambre principale. Je m'occupe de tout. Avez-vous besoin d'autre chose ? Au revoir. Pour l'instant, non. Non, et on va essayer de faire, du coup, d'investir dans le truc ici. Établi. C'est fini. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque ? Qu'on investisse un peu quand même. Une serrure et 3 pailles. On va dormir comme chez nous, du coup. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. Ressentant du réconfort. Et du coup, c'est là où j'ai du coup réconfort de l'amant. Et pas besoin d'avoir la pierre de l'amant. Donc du coup, j'ai ça plus la pierre du voleur et je suis à plus de 35%. Merci. Dans mes trucs de... Bonjour, mon amour. Non, un peu de tout.
Oh là là, tu commences avec ça. Ok. Au revoir, mon amour. Au revoir, ma petite femme. Mes ouvriers sont là. Et on va voir s'il y a Rorigouan du coup, s'il y a une. On va voir si à Rorigour s'il y a une forge. Je crois qu'il y en a une. Là, c'est du blé. Il y a quoi dans ce jardin là-haut? Y a pas une forge ici. Sérieux? Forgeon. Le seul que je connais, c'est Arrive-Bois pour l'instant. Ah, mais oui, Arrive-Bois, il y en a. Je vais me taper les kilomètres qu'Arrive-Bois. Si vous avez besoin. Regardez donc. Bonne journée. Oh, c'est chiant. Alors, hop, on va aller à Rivebois. Ok, ils m'ont appelé ici, ok. C'est une bonne chose. Je sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Je travaille chez Belletor. Alors. Et si. C'est du lingot de fer de partout. Dites-moi ce qu'il vous faut, ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armures. Tu as du À la recherche coridon? ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armures. Il me faut de la paille. De la papaye. Je m'occupe bien de ta sœur, hein, t'inquiète pas, mec.
Travaille à la ferme. Vous et moi, regardez donc. Je vais acheter de la paille. Ah, voilà. Je ne sens pas. Du verre, peut-être. Très bien. Alors, on se retourne chez moi, du coup. Comme on l'a dit, Rome, c'est pas construit en un jour. La ferme non plus. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir construire, du coup? L'atelier. Petit, là, il manque quoi? Ah, petit bois pour ça. Petit bois aussi pour le dortoir. Petit bois pour ça. On va prendre peut-être petit bois là. Pour l'instant, la femme n'a rien ramené de concret. Hein. Une deuxième fois parce que t'en chope que 6 à chaque fois. J'espère que j'aurai un bon investissement derrière. Ce sera tip top. Comme quelque chose d'autre. Allez, voilà. Ah oui, du coup, j'ai ma. Ah, mais oui, mais j'ai la force du coup que j'ai mis là. Yo, week-end. Mais oui! Tiens, te revoilà, mon ami. Lingot d'acier. Eh oui, ça fait du bien, un petit live là, et ce soir je refais un live aussi à 21h, tranquille. Alors là, oh putain, il me les offrait, oh. Alors, je vais mettre les os du dragon. Ah ouais, alors là j'ai changé ma manière de jouer, je suis parti sur un archer bas niveau, du coup j'ai recommencé. Oh merde. Je suis parti sur un archer en mode chasseur. Voilà, je suis un chasseur. Attends, le son est un peu fort. Je suis en mode chasseur, donc le dortoir, la ruche. En fait, j'ai acheté petit bois accessoire en acier.
J'achetais directement la maison Non, j'ai pas acheté. J'ai fait la quête pour avoir la ferme ici. La ferme du plantation Butée d'Or. Et j'essaie de voir que mes revenus salariales, à part de trouver les jeux. Ah oui, je sais que je l'ai poncé. Et en fait, j'essaie de. Bon, en début de jeu, j'ai pécho Camilla, une des premières femmes que tu croises dans le jeu, qui en fait sort plus de la maison. Je me suis déjà marié avec elle pour pouvoir voir si le jeu nous permet d'avoir une énorme économie grâce à la ferme. Ah oui, ah oui, ah oui. Première chose que tu fais dans Skyrim, c'est tu trouves une femme, tu fondes une famille. Bon, à la base, fonder la famille, tu t'en fous un peu. C'est surtout trouver la femme. Le plus intéressant au début dans le jeu. Eh ben bien sûr, attends. Il me fallait des accessoires en fer. Ah non, mais c'est pas ça que je veux. Là, ça et ça et ça. Là. Et un autre accessoire en fer. On a le moulin et la déco extérieure. On peut plus rien faire, donc on peut l'enlever. Oui. Voilà, donc j'ai construit tout ce qu'il y avait à construire. Ah oui, c'était rapide. J'ai un puits, j'ai une ruche maintenant. Dans les ruches, je chope du miel, ok. Ah, tu joues à Monopoly, d'accord. Sur le téléphone, j'imagine. Mais bon petit dé Monopoly. Moi, je joue à d'autres petits jeux sur le téléphone. Aussi. Ça me suce la batterie, c'est un truc de malade, quoi. Mais quand t'as addict, hein. Allez, mais du coup, j'ai pas grand chose en nouveau truc. Peut-être ça que j'ai pas mis. Et je vais en mettre un blé de plus. Voilà. Et au pire, repas ce soir, y a pas de soucis. Sa petite femme Camilla, ouais, dort. T'aurais pu mettre un pyjama quand même, hein? Ou ne rien mettre du tout. Pendant que ton mari travaille toute la nuit là jusqu'à 3 h du matin. Hein? Maintenant je vais ronfler. Bon, vous dites ça, mais je ronfle réellement dans la nuit. Je C'est si suis. important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. Ma femme me trouve Merci. insupportable. Bonjour, Alors. mon amour. Je parie que vous avez vécu de grandes aventures. Vous avez bien géré. Qu'avons-nous Merci. gagné? Tenez, c'est pour vous. 55. Ok. Est-ce Nous que la avons fait un joli boutique? profit. Tenez, voici pour vous. 100 pièces d'or. Certainement. Qu'aviez-vous en tête? Ouf. Je vais voir si je peux trouver une bonne vache. Avez-vous besoin d'autre chose? Certainement. Qu'aviez-vous en... Ah. Avez-vous besoin d'autre chose? Des babioles, des petites choses? J'ai plus que 100 balles. On va acheter des poules alors. Certainement. Qu'aviez-vous en tête? Je m'en charge. Avez-vous besoin d'autre chose?
Non, pour l'instant ça va. Après, il faudra améliorer la baraque. Hein. Donc, ce sera avec l'investissement de ce qu'on a fait à la ferme qui pourra faire ça. Alors là, c'est qui toi? Oui, mon amour, que voulez-vous? Tu t'es TP plus vite que moi. Oui. Un ouvrier. Oui. Une ouvrière. Les employés. Donc là, ici, il y a des poulets. Ici, il y a mon moulin. Là, il y a mon enclos à cheval. Donc, j'ai pas encore de cheval. Et là, c'est les dortoirs des ouvriers. On s'en voit, ils sont quand même bien lotis. Hein. Et je suis un bon maître. Ils ont des pelles, des fours, ils ont tout le matériel qu'il faut. Ils ont de la bouffe. Ils ont des fringues. Un petit feu, une cocotte. Et franchement, quoi demander de plus, hein? Allez. Et est-ce que du coup je peux récupérer ce que j'avais déjà planté? Là, je peux récupérer ça. Je peux récupérer ça. Alors, le truc intéressant, c'est que peut-être avec les. Le fait qu'il y ait les gens qui cultivent la terre, ça ira plus vite que si je n'avais personne. Par rapport à la fois où j'ai fait mon astuce d'alchimie. Je devais presque patienter presque 5 jours. Que là, ça ira plus vite, du coup. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place. Bonjour, mon amour. Je parie que vous avez vécu de grandes aventures. Bien sûr. Quelle chambre voulez-vous que je meuble? Ah, c'est 1000 pièces d'or. Ok, bon. J'ai plus d'argent. Il faut repartir à l'aventure. Au revoir, mon amour. Et pour ça, on va aller voir, du coup, le Jarl Up de Blanche Rive. Qui nous attend. Parismir, vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Puissent ces grises toisons finir dans l'oblivion. Avulstein Grise Toison était mon meilleur ami quand j'étais enfant. Si je revois ce traître, je le jetterai en prison moi-même. Pour quelqu'un qui était ton meilleur ami, t'es un peu méchant quand même. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les grises barbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Je savais que je pouvais compter sur Irilet. Mais il doit y avoir autre chose. Alors, c'est vrai. C'est vrai que Barbe vous invoquait bel et bien. Pas du tout, c'est pas moi qui les appelle. Hein. Les maîtres de l'art de la voix. Les grises vivent barbes. Au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout boum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon,
Ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blanche Rive? C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut Hrothgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tiber Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorant pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du premier empire. Espèce d'ignorant pompeux. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces Grisbarbes lui veulent. Ce sont les affaires des Grisbarbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Oh oui. Les Grisbarbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? C'est vous feriez bien d'aller au Hrothgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense honneur. Oh. Je vous envie, vous savez, pouvoir gravir encore une fois les secondes marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut Hrothgar est un lieu très paisible, complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les Grisbarbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut Hrothgar et voyez ce que les Grisbarbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant du dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blanche Rive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Donc la hache de Blancherie va me permettre quoi? Dégâts de magie. Il n'y a aucun puissant dans ce couloir, sauf Lydia. Ne vous avisez pas de l'oublier. Lydia, la Nordique. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Oh. L'honneur avant tout. Je vous suis. Ah, le chasseur et la chasseuse. Putain, elle est plus grande que moi. J'ai fait un perso petit ou quoi? Non mais regardez ça, elle est plus grande que moi. Oh, excusez-moi, fatigué. Oh là 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 là. Pom. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, hein? La technique de la voix, non, on s'en fout un peu. Donc après, j'aurai des profits, donc voilà. Et est-ce que je vais... Je vais renvoyer Lydia. Je vais faire la quête des... Encore là. Je serai chez moi si vous me cherchez. Que voulez-vous, Montagne? Puissent ces gris toisons finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages.
reste de là. Frappez lorsque l'épaule pivote vers la crête des ouvertures. Hey, faites attention. Oh, ça commence par une bagaille. C'est parti. Tirez-le en arrière. Une bagarre. Mais faites quelque chose. Vous pensez avoir une chance? Cassure à vous, Modus. Abandonnez tant que vous le pouvez encore. Putain, ça fracasse bien, quoi. Que Nerevar me quitte. Je vais prendre plaisir à vous tuer. Alors, on va lui parler à lui. C'est la première fois que je vous vois. Je me trompe? On se connaît? Non. Mais j'entends toujours l'appel du sang. Comme nous tous, c'est notre fardeau. Mais nous pouvons nous en défaire. Quelqu'un entre dans notre hall. Vraiment? Attendez, laissez-moi vous regarder. Je suis beau gosse, hein. Pourquoi pas? Je sens chez vous une certaine force d'esprit. Maître, vous n'avez pas vraiment l'intention de l'accepter. Je ne suis le maître de personne, Vilkas. Et aux dernières nouvelles, Yorvaskr accueille toujours ceux dont le cœur brûle d'un feu dévorant. Mes excuses. Mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. De grands guerriers viennent parfois nous voir. Oh, je suis l'enfant mais du dragon. Des hommes et des femmes en quête de leur propre grandeur viennent aussi. Tu n'es pas les dernières nouvelles. Aucune différence entre eux. Ce qui importe, c'est leur cœur. Et leurs bras. Et leurs... Comment vous défendez? Très bien. Voici Vilkas. Il va tester vos aptitudes au combat. Vilkas, conduisez-le dans la cour pour voir ce qu'il sait faire. Ouais. Aïe. Je suis tellement claqué que je m'endors. C'est pas possible. Bon, on va aller se défendre contre Vilkas. Alors, est-ce qu'on se défend l'arme à une main ou à mort. Le vieux Kodlak m'a demandé de vous jauger. Alors, allons-y. Envoyez-moi quelques coups que je vois votre posture. Vous en faites pas, je peux encaisser. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Je prends le... Pas trop mal. Ce sera plus difficile la prochaine fois. Vous ne vous en sortez pas trop mal. Mais pour l'instant, vous êtes moins que rien pour nous, novice. Alors faites ce qu'on vous dit. Voici mon épée. Apportez-la à Eorlund pour qu'il l'aiguise. Faites attention, elle vaut plus cher que votre vie. Ah ouais, carrément. Bon, oui, on va faire ça là, vite fait. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est vous qui venez d'arriver, alors? Oh, ne vous mettez pas et n'obéissez pas aveuglément à tout ce qu'on vous dit. Personne ne dirige les compagnons. Je ne suis pas un compagnon moi-même, mais aucun d'entre eux ne sait faire tourner une forge correctement. Alors j'ai l'honneur de les servir. Je m'appelle Eorlund Gristoison. Je travaille à la Forge Ciel. On produit le meilleur acier de tout bord de ciel. De tout Tamriel. Ok. Eh bien, j'ignore comment ils se sont débrouillés, mais ils ont réussi. Il n'y a eu aucun chef depuis Isgramor. Kodlak est le héros, une sorte de conseiller pour le groupe tout entier. Mais chaque homme est son propre conseiller. Il en va de même pour les femmes.
Ah ouais, d'accord, ok. Chaque homme, chaque femme. Ok. J'ai un service à vous demander. Oh, toi aussi? Bien sûr. Je travaille sur un bouclier pour Aella. Ma femme est en deuil et je dois retourner auprès d'elle rapidement. Je vous en serai reconnaissant si vous pouvez porter ceci à Aella de ma part. Merci, brave homme. Aella. J'aurais bien voulu la prendre comme femme aussi, mais c'était trop long pour... Ça aurait été trop long pour les faire femme. Il aurait fallu faire les quêtes des compagnons. Et c'est après que tu peux commencer à avoir de l'affection pour elle. Donc, qu'elle a de l'affection pour toi, surtout. Alors que Camilla, c'est une des plus rapides. Donc là, hop, on va lui rendre son bouclier. Et je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Ellie, what it damn, elle est partie dormir. Oh bah parce que c'est la nuit aussi. Isgramor lui-même n'aurait pas la patience de s'occuper de toute... Ah, excellent. Je l'attendais. C'est un plaisir de voir que vous avez réussi. J'aime bien ses couleurs quand même, elle. C'est la recrue dont parlait Vilkas. Ah oui. On dit que vous lui avez donné une sacrée correction. Que Vilkas ne vous entende jamais. Vous sentez-vous de taille à affronter Vilkas en combat? Ah, un homme d'action, je vois. Venez, Farkas va vous montrer où vous pourrez vous reposer. Farkas! J'aime bien sa tenue quand même. Vous m'avez appelé? Évidemment, cervelle gelée. Montrez à la recrue où les autres novices se reposent. Une recrue? Ah, je me souviens de vous. Allez, suivez-moi. Skior et Aella aiment bien me taquiner, mais ce sont des gens bien. Ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Très bien, vous voilà. On dirait que les autres sont impatients de vous rencontrer. Venez me trouver ou allez voir Aella si vous cherchez du travail. Une fois que vous vous serez fait un nom, Skior et Vilkas auront peut-être des tâches à vous confier. Bonne chance et bienvenue chez les compagnons. Au fait, si vous ne savez pas quoi faire, il y a de l'agitation ici dans la châtellerie de Blancherive. Rien que nous ne puissions régler. Les Falmer, on rapporte qu'ils se sont mis à attaquer les villageois la nuit. Bien, ne leur épargnez pas la vie. Des Falmer. Si vous ne savez pas quoi faire, les quartiers sont là-haut. Choisissez un lit, vous pourrez vous affaler dessus quand le sommeil vous gagnera. Silma assurera le ménage. Certaines nuits, je vois les brumes de Sauvengarde en rêve. Allez, on va aller à la ferme, voir combien ça nous a rapporté du coup. C'est ce que ça nous a donné, on aura une estimation dans le même épisode du coup. C'était du coup 15 fois. Sachant que au début on avait gagné que 50, 100 d'or. Et là on avait gagné 80 après et 300 par rapport à elle au niveau de la boutique. Et maintenant, on va voir combien on va gagner. Sachant que j'ai une vache, que j'ai tout augmenté. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place. Merci. Tenez, c'est pour vous. Oh, 3,396. Nous avons fait un joli profit. Tenez, voici pour vous. Au revoir, mon amour. Franchement, c'est une belle petite... Et si vous le gardez manger, là.
Ah, mais ça récolte ce que je mets en fait. Tout ce que j'ai mis, ça récolte. Oh, c'est cool. Dans le placard garde-manger. Kitty up ingrédients. Bon ben voilà. Allez, on va se vous laisser là. J'allais piquer une petite sieste. Et je vous dis à la prochaine du coup pour... J'ai fini, voilà, mais... ma quête à la ferme. Ok, hop là. Allez, fichez ça. Attendez, on va quand même sauvegarder quand même. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et dire ce que vous en pensez de cette nouvelle partie. Allez, à plus. J'ai pas coupé le live.